Alors notre grande sœur nous a invités à fêter quelque chose chez elle. Elle nous a pas dit qu'est-ce qu'on allait fêter. Du coup, ben là on va à sa fête. La porte c'est... Oh, y a quelqu'un? Diana, t'es là? Où es-tu? Elle a préparé toute une table. Mais elle est où? Je sais pas. Bon, on va l'attendre. Vas-y. Bizarre le chapeau. Je vais penser au chapeau du clown. Oui, j'avoue. Des gâteaux, elle a tout préparé, mais elle est où? Diana, t'es où? A few moments later. Viens, on coupe un gâteau. Non, c'est mieux qu'on l'attend. Bon, viens, on va la chercher. Oui, on va la chercher. Pose le gâteau. On va la chercher. Non, non, elle n'est pas odorée, non. Vas-y, je t'accompagne. Bah, elle n'est pas là. Dans le balcon, peut-être. Personne. Non, elle est pas là. C'était une salle de bing. Une salle de bing. Oh. Sa chambre. Il y a quelqu'un qui a dans sa chambre. Sa chambre. Non, par contre, je rigole pas. Regarde, j'ai le... Pourquoi... Attends. Il y avait le bonnet de clown, maintenant il y a les cheveux du clown et le nez rouge. Peut-être elle a payé un artiste pour lui donner de faire un show. Pourquoi l'armoire est ouverte? Imagine, il y a quelqu'un qui se cache. Oh, regarde. Arrête, non, attends, regarde. Toi, regarde. Toi, regarde. C'est bizarre, elle nous a invité chez elle et elle est... je sais même pas où elle est. Waouh, je crois que c'est ça sa chambre. Elle est sortie faire des magasins, peut-être. Sa chambre est très belle. Elle est là, regarde, c'est d'où je suis, non, je rigole. Je rigole. Il y a personne. Mais elle est où? Même pas dans sa chambre, pas dans la chambre des amis, pas dans la chambre. Nulle part, nulle part. Mais dans la salle de bain, on voit. Non. Dans les placards, oui, bien sûr. En plus, elle a plein de placards. Ok. Bon, viens, on va s'asseoir dans le salon et on va l'attendre. Au moins, il y a un roquet. Elle a un beau jardin. Un truc là, j'ai eu trop peur. Ah. Un clown. Moi aussi je l'ai vu. C'était dans... Non, mais je pense que c'est mon imagination. Ben moi aussi je l'ai vu, comment ça se peut? Numéro inconnu. Salut, salut. Ça va? Non, vous êtes qui? Je te conseille d'aller regarder la télé. Gros bisous, à tout à l'heure. Oula. Ah, je pense qu'on doit y aller à regarder la télé. Bon, on va voir. J'espère qu'on va pas le revoir. Attends. À la pêche au grouille. Salut amis Linakis, vous vous rappelez de moi? Je suis votre ami le clown. Un clown? Je vois que vous avez fait une grosse chaîne YouTube, plein de vidéos, 1 million d'abonnés. Mais vous m'avez promis un jour de m'inviter sur votre chaîne. Mais là, je vois, vous avez fait des centaines de vidéos, tous les challenges possibles, et vous m'avez jamais invité. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Du coup, si vous m'invitez pas, bah, je m'invite à vous. Je vous propose de faire un petit cache-cache avec moi. Alors, je vous laisse 15 minutes pour vous cacher. Tu dis
Non, c'est trop petit. Ok, j'ai une idée. J'ai qu'à prendre un truc et le mettre en dessous de la couverture comme si j'étais en dessous. Là, il y a quoi? Non. Ok, j'ai trouvé. Celle-ci, ça fera l'affaire. Ok, mon faux corps, on le met en dessous de la couverture. Donc là, c'est prêt et je vais me cacher là-bas derrière. Mettez des likes si vous aimez mon idée. Voilà. Je vais casser un truc. Non, je pense pas que c'est bien ici. Il faut que je trouve une autre cachette. Peut-être plus près de la porte, au moins je pourrais m'enfuir. Ok, je pense que c'est une bonne idée. Pas qu'on voit mes pieds par contre et que je me colle au mur. Ah, est-ce qu'on me voit? Dites-moi en commentaire pour que je sache. Je sais où je vais me cacher. C'est la plus belle cachette que j'ai trouvée. Moi, je vais pas me cacher dans la maison, je vais me cacher dans la voiture. Va-t-il carrément penser à me chercher dans la voiture? Je pense pas. Bonjour, je peux rentrer? Oh, y a quelqu'un ici, je crois. Mais je vais quand même regarder ici. Hein. Ça sert à rien de chercher plus loin. Je crois que j'ai trouvé la personne que je cherche. On va faire un petit plongeon. Je t'ai attrapé! Quoi? Mais non! Et mon bronquet! Oh! Où est-ce qu'elle est? Oh! Arrête-toi! Oh là là, ces youtubeuses là, comment je les aime pas! J'arrive tout de suite! Amélia! Là, c'est parfait, je dois juste fermer la porte. Hop là. Il pourra pas rentrer dans la voiture même si il va penser à venir ici. Je vais m'amuser, je vais trop bien. Alors on va où? On part. Oh, je voulais pas lui faire peur. Oh là là. Amel. Ouais. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? Mais il m'a trouvé, j'ai dû me recacher. Moi aussi il m'a trouvé. J'étais cachée dans la voiture et d'un coup il est sorti de la voiture. Je sais pas comment il a fait. Il faut qu'on trouve une autre cachette. Comment tu veux qu'on joue avec lui s'il fait que tricher? Ah oui c'est vrai, il est venu nous chercher avant l'heure. De toute façon on peut même pas se cacher parce qu'il n'y a pas beaucoup de chambres, c'est petit ici. Ben viens, on va pas se cacher. Il veut jouer avec nous, on va jouer avec lui. On va essayer de l'enfermer. Viens, on joue à notre façon. On le prank et en même temps on va l'enfermer. Oh, ben c'est pas bête ça, voilà. Vas-y, on y va. Donc je vais mettre de la colle forte ici et quand il va essayer d'ouvrir la porte, il va rester bloqué et on va gagner plus de temps pour préparer le piège. C'est pas collé dans ma main, faut que je suive. Baisse la tête ou ta tête. Ok, et moi je vais mettre mes claquettes ici pour faire genre que je suis rentrée dans cette salle et je vais me cacher avec Elina. Oh. C'est quoi ça? Mais... Ah mais ça veut pas. Mon collet de la colle. Mais... Oh là je suis en colère, normalement c'est moi le clown, c'est moi qui m'amuse à faire ce genre de petit truc. Mais heureusement, comme je suis un clown, j'ai du liquide sur moi qui va me permettre de me libérer. Hop là, hop. Ah, j'arrive Elina et Elina. Là je vais vous mettre une sacrée punition. Mes amis, vous êtes où? Vous pouvez pas vous cacher du clown? Qu'est-ce que je vois? Ça me semble très intéressant. C'est que quelqu'un a laissé ses chaussures. Et tu te caches. C'est dans le lavage. C'était pas mon intention. Je suis gentille avec vous. Libérez-moi s'il vous plaît. C'est bizarre hein, tu nous as fait peur et tout. On sait pas si on doit te libérer. Mais je vous jure, je suis pas un clown tueur. Mais lâche-moi là toi.
pas. Je sais pas, est-ce qu'on doit lui faire confiance ou pas, Elisa? Les abonnés, dites-leur que je suis tout gentil. Je voulais pas leur faire du mal. S'il vous plaît. T'as dit que tu les connaissais. Ah, c'est qui ça encore? C'est quelqu'un. Oh là là, attendez. Salut à tous, ah, j'espère que vous allez bien. C'est votre clown préféré qui vient débarquer dans notre maison aujourd'hui. Alors? Tu l'as invité? Si, t'as pas été invité. Mais on est amis, y'a pas besoin d'invitation quoi. La dernière fois ça s'est super mal passé donc. Oh, mais arrêtez, dans une amitié y'a des hauts et des bas. Là on est passé par une phase de bas, mais là je viens pour passer la meilleure journée de ma vie avec vous, mes amis. Vous allez pas me faire rester 40 000 ans devant la porte d'entrée. Allez, faites-moi rentrer, bon sang. Attends, y'a un éléphant sur la vélo. Restez par ici. On va passer une très belle journée et vous allez voir, on va trop s'éclater. En plus, je vais vous montrer en exclusivité des tours de magie de mon prochain spectacle que je vais faire à San Francisco devant 50 000 personnes. Vous êtes vraiment... Depuis quand c'est faire des tours de magie? Et vous allez voir. Et installez-vous, prenez place. Moi, je m'attends pas à des tours de magie exceptionnels, hein. Ouais, pareil, parce que tu m'avais déçu la dernière fois. Hein. Allez, pour ce premier tour de magie, j'aurai besoin de corbeille et je prends des trucs, un foulard, de l'eau. Et une tasse. Alors là j'ai quoi? J'ai de l'eau minérale devant moi. Bon, on s'en fout qu'elle soit minérale, elle peut être plate, gazeuse, tonique, hein, on s'en fout. Et juste c'est de l'eau quoi, pour vous montrer, vous voyez, c'est un liquide. Et là je vais en verser dans mon verre. Wow. Attention. Wow. Le verre il avait bien soif. Et là attention, ça c'est ce qui va faire tout le tour de magie. Vous êtes prêtes? Attention. Ice cream magnimus badigus badigus. Et là en fait mes mains c'est des congélateurs. Vous voyez l'eau qu'il y avait? Et ben maintenant c'est juste un glaçon. Regardez, venez toucher. Alors c'est froid. J'ai vu ça sur YouTube hein. T'as rien vu. Vous avez mis une éponge dans le verre pour que ça sorte l'eau. N'importe quoi, regarde, il y a zéro, il y a plus d'eau. Ouais mais il y a une éponge. Il y a une éponge. Ah mais t'es pas censé toucher mes affaires toi. Mais sérieux, Si tu vas faire ce tour de magie dans ton spectacle, tu vas te prendre des tomates à la figure. Mais tu sais quoi, moi j'adore les tomates, c'est mon fruit préféré. Alors j'en mangerai des tas et des tas. Bon ok, vous avez pas aimé ce tour de magie? Non. Mais c'est un petit peu bien. Ah c'était un petit peu bien, merci beaucoup Daniel. Bon, j'ai un deuxième tour de magie et là je pense vous allez tous être d'accord. Bien, j'aurais besoin d'un cobaye pour ce tour de magie. Qui veut être cobaye parmi vous trois? Ok, ça sera Elina le cobaye. En fait, c'est simple, tu mets ta main comme ça. Là, on prend un foulard, on le couvre. Et là, il suffit de prononcer une belle phrase de magie. Abratagbedus bedus, prisonus, vaincus. Mais comment t'as fait ça? Et ouais, regardez, c'est des vrais, hein. Des touches. C'est des belotes, hein. Alors là, quand je parle de ça à San Francisco devant des milliers de personnes, ils vont kiffer quand même. Ouais, en plus, j'ai fait partie. Ah là, je prendrai pas de tomate. Non. Mais je me prendrai un jus de tomate dans ma main. Mais du coup, tu peux en enlever maintenant. Ah oui, pour enlever, du coup, on remet, hein. On remet. Et attends. Et là, je veux dire. Abratabus, prisonus, enlevus, adios. Ça fait partie de mon spectacle. Alors, Abracadabris, Magnus, Vecus. Ah les gars, je pense qu'il y a un problème. Ils sont où les clés? Non, mais en fait, je pense que je prononce mal juste. Dis pas les clés. Les clés. Je dois les sortir. Ah, je les ai pas. J'ai pas les clés. Tu fais semblant. Non mais attends, je veux ça va revenir. Abracadabra, c'est ça qu'il faut dire, non? C'est bon, stop avec tes caracabras là, donne les clés. Mais je les ai pas, des spectacles nuls là. Oui non, là. Mais ça va, c'était bien le tour de magie, vous l'avez aimé. Les quoi. Clés. Je les ai pas. Ils ont les clés. Je les ai pas, je t'ai dit. Bah je pense que j'ai perdu les clés, hein. Tu les as achetées où les menottes? Sur un site anglais. Mais je pense que. En vrai, un site. Oui, mais du coup, faut juste que je recommande les menottes et. Et il arrive en combien de temps? Je
sais pas, 24 à 4. Voilà, 24 heures menottées avec toi là. Mais ça va. Qui t'a invité même. Mais ça va, ça va, on va passer une belle journée, hein, Mel. Ah, moi je suis pas là. Bye, Elena. Non. Viens. Bye bye. On pourra s'amuser. J'ai un peu faim là, j'ai pas mangé ce matin. On se fait une petite omelette. Ok. Allez. Après, je t'écoute, mais moi j'ai envie de regarder mon iPad, j'ai déjà mangé, j'ai plus faim. Mais non, moi j'ai envie de manger. Ben non, moi j'ai envie de regarder mon iPad. Non. C'est toi, tu t'es collé à moi, donc tu viens faire ce que moi j'ai décidé de faire. Moi aussi j'ai pas mangé, moi je vais pas mourir de faim. Ben si, allez. Ben non. Non, tu restes ici. Viens. Non, j'ai envie de manger mon omelette. Qu'est-ce que tu fais? T'as envie de tuer là? On m'en parle plus. Aide-moi. Oh là là. J'ai pas mangé ce matin, je voulais me faire une omelette et elle veut pas. Moi je veux regarder mon iPad. Non, moi je veux manger mon omelette. On va manger une autre omelette. Stop, stop, arrêtez de vous disputer. Vu que vous devez passer à 24 heures ensemble et que vous n'arrivez pas à vous supporter, vous vous partagez le temps 10 minutes chacun. Et là, ce sera les 10 minutes au clou. Ah, allez, on va faire notre omelette. Bon, il nous faut une petite poêle. Alors. Hop, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone, toi? Chronomètre. Ah, tu mets un chronomètre? Ok. Bon, bah, tu mets 10 minutes. Hein. Normalement, j'ai assez pour faire mon omelette. Ensuite, il faut. Je vais mettre 9 minutes. Il faut. 10 minutes, c'est 10 minutes. Hein. Bah, t'es en train de faire, j'ai une minute. N'importe quoi. Il nous faut des œufs. Hop. Oh. Tu veux une omelette? Non. Oh, dommage, tu rates un vrai truc. Hein. Alors, bon, je pense que je vais me faire une petite omelette avec deux œufs. Ça me suffira. Alors, comment on allume ça là? C'est ta maison, tu dois savoir. Ok. Oh, ça c'est du tour de magie. Alors, tac, tac, tac. Hop là. Et là, on va casser les œufs. Le clown, arrête. Mais ça va, hein. Bien que je fasse mes œufs. Hop. Oh, faut que je la mélange. Viens, on va se laver les mains. Oh. Hop. Calme-toi. Allez, là. On fouille, on fouille. Ah. Qu'est-ce qu'il faut pour une vraie, une bonne omelette? Non. Faut rajouter du lait. Ouais. Tu me mets partout là. Allez, viens. Là, on rajoute un peu de lait. Bien sûr. Allez, amène-moi le sel. Ouais. Et là. Là. Oh oui, ça j'adore. Regardez-moi ce serait stylé. Bon, alors, votre plaque elle marche pas là, ça devrait cuire. Tu l'as pas allumé. Ah, oh, je l'ai pas allumé. Je me disais. Allez, mets-moi ça à cuire s'il te plaît là. Hop là. Hop, on dirait un peu un petit DJ. Bon, bah là ça va. Là faut bien plier là. Bon, j'ai envie d'un peu d'oignon. Bah, y'a pas d'oignon. Bah. Il est où votre oignon? Attends, je vais te trouver. Allez, là, j'ai envie d'oignon, là. Dépêche-toi, là. Mon omelette, elle est déjà en train de cuire, là. Bon, oh, ça va être super, là. Hop, là. Bon, bah, tu trouves mes oignons ou pas? Oui, attends. Allez. Et regarde au fond, là-bas, peut-être. Ouais, au fond, à droite, à gauche. Ah, oh, yes, c'est bon, c'est fini. Quoi? Et mon omelette. Non, regardez, elle est déjà en train de cuire là. Non. C'est pas ma faute si t'arrives pas à allumer une plaque. Non mais c'est pas de ma faute, c'est pas chez moi non plus. J'ai faim. Mais pas arrêter de jouer là, s'il vous plaît. Pourquoi on doit jouer à des jeux comme ça là? Ouais, je voulais juste manger mon omelette. J'ai la tête qui tourne, s'il vous plaît. Petite pause, j'ai la tête qui tourne. Oh, oh, stop, stop. 10 minutes ont passé. On a pas fini. Let's go. Ça dégage ça. C'est bon, on joue plus. Allez, on va faire mes activités à moi. Faut que je me détende. Et puis j'ai une carrière internationale de clown à tenir. Donc j'ai besoin de faire mon propre sport et pas un sport de brut. On va faire du yoga.
Moi, je vais m'asseoir. Et hop, ça se passe sur le tapis. Allez, là, c'est mes 10 minutes, donc tu me suis au pied. Bon, il me faut un peu de calme. Il faut que l'ambiance soit aussi calme. Hop là. Voilà. En même temps, vous avez pas de bougies spéciaux là, j'aurais dû ramener les miennes. Bref, moi je vais devoir faire du yoga. Ah, pourquoi je fais du yoga même? Eh ben, depuis que j'ai une carrière internationale de clown. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu me perturbes pas pendant vos séances? Je veux pas. C'est la dernière. C'est la première et dernière fois. C'est bon. Tu te tais. Je suis le meilleur clown. La position de ton. Eh oh, tu vas pas commencer à faire. Ah, c'est bien. Tu peux faire avec moi aussi, viens, fais-le avec moi. L'important c'est d'être. Mais oh, c'est quoi ça? Reste en équilibre, bordel. Oh, c'est bon. Ting, balum, eh ben, tiens, en équilibre. J'ai un exercice. Ok. Ça va? Je te casse pas le bras? Allez. Ah, on va chercher loin. On va chercher loin les mouvements. Toi t'es en train de faire du yoga, bah, pourtant moi je suis en train de faire du sport. Allez, baisse-toi. J'ai 10 minutes pour faire quelque chose. C'est un peu ça, je pense, je vais faire le ménage. Le ménage. Non, le ménage. Le ménage. Allez, les vitres, elles sont sales. On va laver. Eh, hey, mais tu peux laver plus doucement, hein. Ça sert à rien d'aller aussi vite. Hein. Tiens, lave. Ok. Non, mais. Ah, mais je suis gauché, moi. Hein. Non, en fait. Non. On va passer l'aspirateur. Je range les coussins d'abord. Wow. Lève-toi! Oh, ça va! Prends le coussin! Mais, on passe l'aspirateur. Depuis quand? Moi je suis clown, hein, je suis pas femme de ménage. Hein. Mais la prise! Oui, mais moi je fais pas de yoga, je cuisine pas, mais je fais ça. Toi, hein. Comme on a pas eu. Ça va, bon ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'en ai marre de courir partout là. C'est toi qui m'as accroché à quoi? Bah du coup tu vas faire. Non, 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 non. C'est propre. Mais 10 minutes, on va terminer. Mais on peut faire autre chose pour le finir. Bon, moi je vais étendre le linge. Ok. Moi j'ai pas le choix de toute façon, je la suis partout. Ah. Et en fait si j'ai le choix. Allez, tu me suis maintenant. Et depuis tard, c'est que j'ai toujours pas mangé. Bah du coup, comme j'ai pas mangé, je veux un burger, moi. Bah, commande. Non, j'ai envie d'aller le chercher au drive. On va prendre la voiture, comment on va chercher. Tu veux conduire? Bon, ça va, je pourrais conduire, regarde. J'ai deux mains, j'ai deux pieds. Ouh, bon, allez, okay. On y va. Allez, là. Allez. Tu me respires sur le visage, enfin. On est dans un ascenseur, on a pas le choix, non? Si tu serais pas venu chez moi, il y aurait rien eu, hein. Ouais, mais au moins, on passe une belle journée. Allez, le burger. Allez, on y va. Bah ouais. Non, attends, j'ai une idée. Quoi? J'ai une idée comment faire pour qu'on monte cette fenêtre. Hop là. Ouais. Une fois que la fenêtre est ouverte, tu m'attends ici. Moi, je vais monter. Hop. Je comprends pas. Et moi, je vais où? Hop là. Toi tu vas où? Oui. Bah... Tu restes comme ça. Eh? Tu marches. Bon, allez c'est parti. Mais comment ça? Non? Mais si c'est bon, regarde, je vais rouler doucement. Tu marches, tu cours un peu rapidement, d'accord? Quoi? Mais si, t'inquiète, tu verras, ça va bien se passer. Non, t'inquiète, on va y aller doucement. Non, non.
Ah non, mais tu dois repasser, allez. Ah bah oui, je dois. Par contre, on va juste se re-regarder. Oh mon dieu. Allez. Là, c'est mes 10 minutes, mais j'ai un cours en distanciel avec Amélia pendant 45 minutes. 45 minutes. Du coup, tu devrais être sous la table ou à la chaise d'à côté. Alors, après, c'est moi qui ai 45 minutes. N'importe quoi. Si. Non. Bah, alors, non. Je te laisse pas à ton cours. Non. Tu me serres la main. Allez. Du coup, là. Bonjour. Oui, on a fait les devoirs. Du coup, le cours de chant de demain, il est annulé. Ok, mais... On est en train de s'entraîner. Ah non, moi j'ai fait tomber mon AirPod. C'est bon. Je vais l'avaler. Comment ça t'as la clé? Bah en fait elle était dans ma poche arrière, je l'avais pas regardée au début. Donne-moi la clé. Non. Vous me faites un massage de 10 minutes et après je vous donnerai la clé. Non, tout de suite. Bah arrêtez là. Non. Regarde ce que tu m'as fait subir. Moi je voulais juste manger. Tu m'as empêché de manger. Après, on a dû faire le ménage. Ensuite j'ai dû rester là 45 minutes assis par terre. Non, j'ai mal partout, il me faut un massage. Non, mais voilà. Sinon, la clé je l'avale, hein. D'accord, j'ai pas le choix. Je pense pas qu'il va nous donner la clé aussi facilement. Hey, réveille-toi! Les clés, c'est bon, j'ai fini ton massage. Bon, allez, donne les clés, c'est bon, ça fait 40 minutes déjà là. Oh, j'ai trop bien dormi. Vas-y. Oh. La clé! Bon, allez, c'est bon. J'ai passé une très belle journée avec vous quand même. Tiens. Merci. Mais une promesse, on reste amis et je participe à vos vidéos. Ok, mais on n'a pas le choix, c'est bon, j'ai juste envie de partir là. Moi aussi. C'était bien 24 heures avec toi, mais pas plus. Allez. Non mais ça va, Ah mais c'est mes notes. C'est pour mon tour de magie ça. Ah, donc pas apprendre tes tours de magie, il va s'en prendre trop. Je vous envoie les billets. Oui, bien sûr, on va venir. Vous venez à San Francisco, bien sûr. Ah, bien sûr. C'est dans 3 jours. Allez, au revoir.